Île aux Grippes, côté nord-ouest. La mer monte. La forêt. L'île aux Grues. Il est plus de 18h, la mer plus basse. Le 9 mai, pas de feuilles, quasiment pas d'herbe, et il y a encore de la neige dans le centre de l'île. Mais c'est beau pareil. On a de l'eau, on a de bord. La marée est haute, j'ai dû monter pour éviter les rochers. Ça passe quand la marée est basse, mais là, ça ne passe pas. C'est ce qu'ils appellent une publique. Quelques chirurgiens aujourd'hui, il n'y en avait plus hier. Ah, c'est dommage, je suis belle. Ça a été pris dans une érablière. L'île aux Grues. Magnifiques arbres.
ces plantes-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais elles sont belles et étranges. C'est une petite cabane. Pour les oiseaux, ils viennent ici. Là, c'était un oiseau avec une tête bleue. Ça ressemblait à une aimante. Voilà d'autres. Les feuilles sont vertes et au pied il y a des trucs qui sont propres. C'est étrange. La mer monte dans le fleuve. Là, c'est le nord de l'île. En face, c'est l'île aux canaux. Au loin, c'est le mont Sainte-Anne. Là, il y a les oies. Les sauvagines, et là ce qu'on appelle le bateau ivre. Je ne sais pas si ça existe encore en tant que restaurant. La marée est descendante, là c'est accessible. Quand la marée est haute, on ne peut pas traverser par les plages. Je ne sais pas si le... avant ils avaient transformé le bateau en restaurant. Je ne sais pas s'il existe encore. Sac Queen.
c'est ce qu'ils appellent une place publique. Quelques sauvages aujourd'hui, il n'y en avait plus hier. Ah, c'est dommage, elle est si belle. Parce qu'elle a été prise. Bonjour toi. Maternité. Une petite cabane conçue pour les oiseaux et ils viennent nicher dedans. Là c'était, je sais pas, un oiseau avec une tête bleue, ça ressemblait à une mésange, mais je ne sais pas si je regarde. Ouais, pas tout. Il est bien rouillé.
le chemin de chez Roxane et Marcel qui m'ont hébergé pour planter ma tente dans leur beau petit coin. Donc, j'ai trouvé mon petit sentier feuillu qui craque sous les pieds. Ah, on entend le traversier, c'est le dernier de la journée, puisque on suit les marées, et là, la marée descend. Donc c'est le dernier de la journée. Et voilà mon petit coin. Super bien aménagé, bien sympathique. Avec le banc qui donne sur le bras sous l'île de Saint-Laurent. Au moins, il y a des parcs.